Bienvenue en cette fin du 15 août, 15 août 2017. Vous êtes bien sûr à Éternel. Bon, je suis rentré de l'hôpital, je suis passé par la baraque à Tata l'Oracle. Bon, tout allait bien, Didier est passé vite fait apparemment. Bon, pour ça, rien à dire. Bon, le macro, ça fait chier. Les feux de forêt, ça fait chier. Faudrait peut-être que je rentre le diable. Le Donald, ça fait chier. Le Poutine, ça fait chier. Vous faites que de la merde sur cette planète. Non, le temps n'est pas de l'argent. Plutôt de l'espace-temps. Supprimons l'argent et il nous restera le temps de vivre dans l'espace. L'esprit, c'est moléculaire, c'est pas nucléaire. Tu sais. Tout est esprit. Même un carrelage, même un galet, même un arbre, tout est vivant. Bon, ça va à sa vitesse. Pas compliqué. Quand vous arrêterez de polluer l'eau, là, tu sais, les tonneaux de plutonium, là, d'uranium dans la mer, là, les bouts rouges à la Wall Street, là, tu sais, tous ces trucs comme ça. Enfin, quand vous arrêterez de faire que de la merde. D'ailleurs, j'ai un papier quelque part, il est super. Tant que je le trouve. C'est sur le gouvernement et le gouvernement. Albert Camus. C'est pas trop grave ça. Donc, c'est long à venir la révolte planétaire. Déjà la révolte en France. Bon, c'est normal, ils ont pas de couilles, ils sont tous sous l'exomile. On les a tous mis sous cacheton. Ils sont habitués à travailler tout le temps, qu'ils n'ont pas le temps de penser par eux-mêmes. Et dès qu'ils rentrent et ils mettent la télé, c'est de la merde. Alors forcément, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait dans le cerveau? C'était ça ma question. Comment remplir vos cerveaux vides et réveiller vos esprits morts? Le devenir de l'ensemble. Vous voulez pas comprendre? Toi, tu crois que quand t'es mort, mais tes enfants, ils vont avoir quoi derrière? Ils vont être avec 3 yeux, 6 bras et 12 narines? Tu crois quoi là? Je veux pas que vous faites que de la merde et vous collaborez, vous êtes tous des collabos de merde en fait. Un système de fils de pute d'État corrompu, d'enculé. Maçonnique sa mère de par surcroît. Alors comment on fait là? Comment on fait là? Vous allez les laisser continuer à tout bousiller sur Terre jusqu'à temps qu'il n'y a plus d'eau potable? Tu vois pas que c'est pas des humains ces gens-là? C'est des cyborgs mais cramés quoi. Les cyborgs à moitié cramés. Ah, ils sont contents sur leur yacht partout. Ah, ils sont contents avec les gamines de 16 ans, là. Hein. Je vous massacrerai tous un par un. Je vais pouvoir le faire bientôt par l'esprit. Je pourrais faire des arrêts cardiaques à distance d'ordure. Il faut que l'ordurerie soit confirmée. C'est comme la pédophilie pour Jacques Lang ou Hollande ou tout ce que tu veux, Fabius. Ou... Les gens du mal. C'est vraiment des ordures, les putains d'enculés, les gens du mal, ont que le pognon et n'ont pas de regrets. Enfin bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le bus numéro 20 pour monter à Chimier, disons, les jours fériés ou les dimanches, t'en as que deux qui tournent, et encore des fois, il n'y en a qu'un. Toi, t'en as deux dans la journée. Bon, allez, 4, pour être gentil. Mais ça fait loin à pied. Maintenant, j'ai envie de... Comme j'étais un peu de l'ordre des insultus de Sumerdicus, j'ai envie d'insulter un peu tous les ordres maçonniques sa mère, là, les loges de mes deux, là. C'est comme... Hier, j'ai signé l'UDAF, mais j'ai contre-signé, là. J'ai dit, ça c'est là... C'est la corde pour me pendre, tu sais. Parce que c'est tous les trucs, conseil régional, conseil général, ça. C'est maçonnique. Tu sais. Le barreau de mes couilles, là, non. Tu vas voir, quand j'ai le barreau, c'est pas pareil. Et. Je vais arrêter de me prendre que pour un con. Mon âme n'est pas à vendre, que je vous dis. Moi, j'aime pas les trucs qui brillent. J'aime pas l'argent et j'aime pas les poufias à vernis à poufias, justement, qui ont plein de bijoux partout, là. Pour moi, c'est de la merde. De toute façon, un riche, il est bien quand il est mort.
Un milliardaire, pou, quand tu l'as pris à coups de pied, que d'abord il a lâché les bifetons. Dans l'esprit, le temps et l'argent n'existent pas. Combien de fois je vais le dire? Tu nais au point A, tu meurs au point B. Ça, c'est la vie de ta viande, c'est ton cyborg. Et le sens de la croix, c'est dans l'autre sens, c'est la psy surordonnée. Et le but du jeu, c'est de faire monter l'esprit, c'est pas de le faire descendre. En bas, en haut, t'aurais le cœur et puis le carreau. Bon, moi, c'est la justice, l'amour, le truc du Dieu, quoi. Enfin, du Dieu, directeur d'induction d'énergie universelle. C'est la vie. Là, c'est l'Assomption de Marie, en plus. Je peux vous l'expliquer 4 milliards de fois, de toute façon, vous comprenez jamais rien. Donc, le but du jeu, en bas, c'est le pic et le trèfle. C'est l'argent, le mensonge, la corruption, c'est le pouvoir. Donc, il faut essayer de garder, comment dire, sa ligne de flottaison au-dessus. Bien sûr qu'il faut payer ses factures, bien sûr que c'est la merde. De toute façon, c'est un monde d'enculés, c'est planète escroquerie ici. Alors, je sais pas, sûrement, il doit vraiment y avoir des extraterrestres, des trucs, c'est le feuilleton V ou quoi, t'sais. Ou l'invasion de Los Angeles. Mais où ai-je mis mes lunettes anti-Conan? Il y a des gens bien, il y a des raclures. Pas compliqué, hein. En fait, les raclures, ils enculent tous les gens bien et ils prennent tout le pognon, ils sont que 1% sur la planète. C'est cela qu'il faut niquer, cela qu'il faut bomber. Et après, on désarme tout le monde. Le seul ennemi sur la Terre, c'est l'homme. Le plus gros prédateur de merde. Les industriels foireux, là, qui nous vendent que de la merde. Des poulets aux insecticides, tout ce que tu veux, là. Non? Et là, l'affaire des œufs contaminés, non? Par contre, pour le diable, il faut que je fasse gaffe. Parce que depuis que je l'ai mis dehors, j'ai dit mise à feu mais pas de sang, ça brûle de partout. Mais quand même, il y en a qui ont été rôtis au Portugal. Bon, faut pas dire comme ça non plus. Envoyé spatial pour Téléternel. Ici Chris de Nice. C'est Catholman. En même temps, il est catholique, il est musulman, mais en même temps, il est protestodoxe. Sur le Vatican, c'est une enculerie. Mais en même temps, il est bouddhisto-bétain. Très bien, les bouddhistes. Et tibétain aussi. Mais en même temps, il est brahmo-cistercien. Tu vois? Les brahmes, c'est super. J'ai eu le bouquin pendant que j'étais au Maroc, pendant mon mariage, que j'attendais la Vierge Marie pendant 38 ans. Enfin voilà, je le dis maintenant, parce que là je vais me mettre une rouste, je vais finir d'accrocher le linge à tata, après je vais me mettre une branlée. Voilà. Envoyé spatial pour Téléternel, à vous, cognac, j'ai pas, mais j'ai un coup de rosé. Et en plus, les gens du pouvoir, vraiment, je les emmerde. Les autres, c'est des collabos. Ils ont une paye à la fin du mois pour rien foutre. La plupart. Puis il y en a qui bossent quand même. C'est les moins payés en général. Ceux qui bossent le plus. Allez, va. Fanculares profundicum. Insultus de sumerdicus. Et Dominus du couscous sanctifius purificatus a tous. Inch'Allah, amen. Voilà.